Il y a des inquiétudes dans la station spatiale internationale actuellement. Oui, parce qu'il y a un vaisseau spatial Soyouz qui a eu une fuite de son système de refroidissement. Puis ça, ça a pulvérisé plein de matériel dans l'espace. On en parle! Malheureusement, cela signifie que nous allons avoir des inquiétudes avec ce Soyouz. Pourra-t-il retourner sur Terre avec l'équipage à bord? En gros, il y a deux options, soit revenir très rapidement sur Terre avec ce Soyouz ou attendre le Soyouz de remplacement. C'est le Soyouz MS-22 qui a été lancé en septembre avec trois membres d'équipage. Petelinto, Prokopaev et Rubio, c'était le seul Américain. Cette fuite a eu des conséquences sur les sorties prévues dans l'espace qui visaient à déplacer un radiateur sur le segment russe de la station. Cette sortie retardée n'est vraiment pas un problème car ça fait déjà plus de 10 ans que le système devait être ajourné. Pour ce qui est de la fuite dans l'espace, c'est loin d'être un cas isolé. On se souvient d'Apollo 9 avec Rusty Schwekard qui avait commenté qu'une décharge d'urine au bon moment dans des conditions d'éclairage parfaites était l'une des plus belles choses qu'il a jamais vues. Ou bien Apollo 13 avec l'explosion d'un réservoir d'oxygène. We are venting something out into space. Présentement, nous ne savons pas exactement ce qui fuit du système de refroidissement. Selon mes recherches, Soyouz utilise depuis 30 ans de l'éthylène glycol mélangé à de l'eau dans ses systèmes de refroidissement. Puis la NASA n'aime vraiment pas ça. L'agence avait des inquiétudes quant à l'intégration de ce système avec la station, car une petite fuite dans ce système produirait de minuscules gouttelettes se dilatant dans l'espace. Puis quand on regarde les images, c'est pas mal ce qu'on a actuellement. Mais c'est très préoccupant de savoir que ces gouttelettes pourraient contaminer certains instruments scientifiques de la station. L'équipage à bord a essayé d'obtenir de bonnes images de la fuite, mais ont été forcés de ne pas ouvrir certains volets de fenêtres au cas où la fuite contamine la surface et empêche certains instruments de fonctionner. La fuite provient de l'arrière du Soyouz. La cause est toujours mystérieuse, mais quelques hypothèses font surface. Peut-être une micrométéorite ou un minuscule morceau de débris orbital qui aurait percé le vaisseau. Il a été souligné également que nous sommes actuellement dans une période d'angle bêta élevé, ce qui signifie que parce que c'est l'hiver et que le soleil a un long chemin vers le sud, l'alignement de l'orbite est en quelque sorte directement en face. Actuellement, la station spatiale est essentiellement en plein soleil permanent depuis quelques jours. Donc, après quelques jours de chaleur du soleil, le système de refroidissement d'un vaisseau spatial peut avoir des fuites causées par la trop grande utilisation du système qui est, oui, assez vieux. Tard mercredi, la cosmonaute russe Anna Kikina sur la station spatiale, qui est arrivée avec une Dragon de SpaceX, a utilisé le bras robotique européen pour inspecter la capsule Soyouz endommagée. Les ingénieurs de la NASA prévoient de faire de même en utilisant le bras robotique Canadarm 2 de la station. Les responsables de Roscosmos ont signalé avoir repéré des dommages sur la capsule Soyouz après la fuite. C'est pour cette raison qu'il y a des inquiétudes pour un retour sur Terre au début de 2023. Aucun membre de l'équipage de la station n'était en danger pendant la fuite elle-même. Et Roscosmos surveille de près la température du Soyouz, qui reste pour l'instant dans les limites acceptables. La NASA et Roscosmos continuent de coordonner des plans d'imagerie d'inspection externe pour aider à évaluer l'emplacement de la fuite externe. N'oubliez pas l'actualité spatiale, à tous les dimanches!